Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce jeudi 22 avril 2021, direction l'hippodrome de Paris-Longchamp pour le prix du pavillon royal. Première course de la Réunion 1, où 16 galopeurs âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 13h50. La compétition du jour n'est autre qu'un handicap divisé de première épreuve portant le label classe 2. Une fois encore, beaucoup peuvent espérer le sacre lors de ce tournoi concouru sur la distance des 1850 mètres. Une fois encore, il ne faudra pas hésiter à ouvrir ses jeux pour espérer toucher. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 2, Bozio. Supplémenté pour la circonstance par son entourage, il n'est pas incapable de monter sur la plus haute marche du podium dans ce quintet plus. En deuxième choix, le numéro 8, Bobby d'Argent. Eddy Ardoin est un top jockey qui connaît une magnifique réussite depuis le début de l'année. Jean-Pierre Gauvin, son entraîneur, étant un homme adroit, il faut le retenir très haut. En troisième choix, retrouvons le numéro 7, Go to Hollywood. Il a un quintet plus dans les jambes et peut compter sur l'aide d'un certain Grégory Benoît qui affiche une très belle forme actuellement. En quatrième position viendra le numéro 4, My Charming Prince. Beaucoup de moyens et de régularité pour ce pensionnaire de Frédéric Rossi, qui reste sur une cinquième place, lui offrant une première chance ici. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 11, Hooking. Avec le 2 dans les stalles de départ et l'aide d'Aurélien Lemaître, il n'est assurément pas incapable de gagner cette compétition. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 15, Charik. Il rentre ici, mais François Rohaud fait appel au service de Christophe Soumillon, ce qui veut dire beaucoup sur les intentions de l'entraîneur. En avant-dernier choix, le numéro 1, Senator Frost. Il a beaucoup de dureté et a hérité du numéro 7 dans les stalles de départ. À Fabrice Véron, son jockey, de faire la différence à ses commandes. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 12, Baïkal. Il porte lui aussi la casaque de Mathieu Offenstadt et Damien de Vatrigan, son entraîneur, effectue le déplacement ici dans l'espoir de jouer une place. En cas de non-partant, le numéro 3, Sandy Sim, dont l'entourage est en belle forme, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1€ sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mardi, Top Prono et Turf Sélection indiquent de nombreux trios rémunérateurs, dont un affichant plus de 2 526 € pour son rapport. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple, puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté cette Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP turf-fr.com.